Il s'agit de Bazar, c'est la quatrième édition d'un curieux festival qui se trouve dans une librairie lyonnaise que vous voyez, c'est Flammarion, place Bellecour. Bazar est une manifestation qui a commencé le 8 janvier, elle se termine le 27 janvier prochain. 27 février. 27 février, bonsoir Dominique Campillo. Bona tarda. Ça veut dire bonsoir oui. En catalan. Vous arrivez de Barcelone pour nous expliquer qu'il reste encore quelques jours pour aller place Bellecour. Quelle est la particularité de cette édition? En fait, vous faites un peu le travail d'une galerie. Oui, disons qu'on fait à la fois le travail d'une galerie et d'une épicerie en même temps, puisqu'on vend le projet de Bazar est toujours le même, c'est de mettre l'art à la portée du grand public et de révéler des jeunes talents. Et comment on fait ça? En mettant, j'allais dire, l'art en toute liberté, c'est-à-dire un accès facile en centre-ville, des œuvres en libre-service, et c'est surtout les prix, quoi. C'est-à-dire que... Alors on va parler de ces prix, effectivement, pour résumer, ça va de 400 à 1000 francs. Voilà, 395 ouais. À 995 francs. Comment vous cotez ces artistes? C'est vous qui, avec votre jury, prenez la liberté de dire que, par exemple, l'artiste lyonnais Aude Blaise, eh bien, fait 450 francs? Oui, alors le prix, c'est complètement artificiel. Hein. On a dit qu'est-ce que les gens ont les moyens de dépenser pour acheter une œuvre. Donc il y a des artistes qui valent beaucoup plus, d'autres qui valent ce que ça vaut, etc. Mais on a dit tous les artistes sont logés à la même enseigne. C'est-à-dire que c'est pour tous les artistes de 395 à 995 francs. Qu'ils soient connus, qu'ils ne soient pas connus, c'est peu importe. Hein, donc ça fonctionne comme ça, c'est un côté très, on ne veut pas donner de cote aux artistes. Hein, par contre, on les sélectionne, on reçoit 400 dossiers et on en garde une trentaine ou une vingtaine, puisque tous les ans, il y a une dizaine qui reviennent. Ce qui est toujours marrant avec Lyon, moi je tiens à le préciser, c'est que par exemple, on a 15 artistes espagnols et 17 artistes français cette année. Sur les 17 artistes français, il y a 5 Lyonnais. Alors, on peut les citer parce qu'on les connaît. Oui, bien sûr, il y a Pierre Bonnetto, Aude Blaise, il y a Éric Richer, il est de Valence, on peut dire que... Ouais. On peut, hein, phagocyter. On va chercher Valence. Il y a Antoine Chambaud. Et je dois en oublier un ou une. Non, je crois que j'ai tout dit. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous reversez aussi une obole, évidemment. C'est bien combien sûr. Il touche combien pour alors, chaque tableau vendu? L'artiste touche 40%. Il faut savoir que dans une galerie, on donne entre 40 et 50% à l'artiste. Ouais. Par contre, il faut savoir que dans Bazar, on investit, le budget de fonctionnement représente 50 000 francs par artiste. Et sur ce budget de fonctionnement, 40% est dépensé en communication. Hein, en journaux, en relations presse, etc. Donc, je veux dire, l'artiste bénéficie... Voilà, vous n'avez pas payé pour venir ce soir sur ce plateau. Comment? Vous n'avez pas non. payé pour venir sur ce non, plateau. Non, mais on vous a appelé, on d'accord. vous a harcelé. Et depuis Barcelone, puisque vous êtes une agence de communication oui. située à Barcelone. Oui, oui. Oui, on est... Alors, Barcelone, c'est un choix complètement... Je pense que c'est une ville où il faut vivre en ce moment et travailler. Et je vous l'ai dit, parce que tous les ans on se voit, c'est parce que Lyon nous est fidèle, nous sommes fidèles à Lyon évidemment. C'est une ville qui ressemble beaucoup à Lyon parce que les gens sont sérieux, travailleurs. La différence c'est qu'il y a plus de soleil et plus d'ambiance dans les boîtes de nuit. C'est tout. Mais on travaille là-bas donc depuis 8 ans et Bazar existe depuis 1994. C'est devenu, et je remercie ici les Lyonnais, parce qu'il faut savoir que ça a été la deuxième ville historiquement qui s'est pointée sur la tournée à l'initiative de Jean Fèvre, hein, le patron de Flammarion-Bellecour, qui a fait le pari. Après dire... Barcelone, vous voulez non, c'est-à-dire, on le fait pas à Barcelone, on va d'accord. le faire cette année. Mais la tournée française a démarré par Marseille, ensuite c'est adjoint Lyon, Toulouse, Paris, Nantes. Et, Bah, on va être déçus, Lyon n'a pas eu cette idée avant Marseille, ce que vous voulez nous dire. Non, c'est pas ça, c'est que nous on a apporté l'idée à Marseille, puisque moi je suis originaire d'Aix. Et quand je suis venu à Lyon, ben Jean Fèvre a craqué sur le projet en disant oh, je veux le faire pour Flammarion. Il y avait quand même à l'époque, il faut savoir, un pari qui était un peu fou de dire on va mettre l'art un peu comme dans un supermarché. C'était assez iconoclaste. Et ben moi je suis très fier aujourd'hui finalement de dire ce succès qu'a eu Bazar, puisqu'il faut savoir qu'il y a 3 ans on a vendu 2500 œuvres en 97, donc en 98 on a vendu 3500, non pardon, en 96 2500, en 97 de 3500 et en 98 4500. Donc je veux dire, ce succès aujourd'hui, je suis content de le partager avec les lieux qui ont eu le courage au départ de dire on va miser sur un événement absolument inconnu. Et ça nous a amené à quoi ça? C'est que je suis très fier d'annoncer qu'il y a maintenant un bazar français qui est bien consolidé, qui passe dans 5 villes, et il y a en ce moment, donc qui vient de démarrer cette année, un bazar Europe qui passe par Amsterdam, Berlin, Barcelone et Londres. Et ça, c'est vraiment génial. Dominique Campillo, vous êtes la preuve sur ce plateau ce soir qu'avec une bonne idée, bien vendue, vous pouvez réussir. Quand on voit effectivement la façon dont vous gérez votre communication, les plaquettes
que vous envoyez, oui. la façon où chaque détail compte, les photos, la présentation des tableaux, mmh. on se dit que c'est presque réussi avant même de la voir, cette idée, sur le terrain. Quand on a créé Bazar, enfin quand j'ai créé Bazar et qu'ensuite j'ai eu des tas de collaborateurs qui sont rentrés dans l'aventure, on s'était dit, il faut que ce truc-là soit fait le plus sérieusement possible. Alors l'avantage, c'est que je vous répète, je suis dans une ville où les gens bossent bien, où il y a beaucoup de créativité graphique, etc. Donc ça aide aussi. Hein. J'allais dire, l'idée était bonne, elle n'était pas de moi, elle existait là-bas depuis 15 ans. Hein, les supermarchés d'art existent là-bas depuis 15 ans. Mais il se trouve qu'on a pris cette idée et qu'en rajoutant beaucoup de communication, ça a pris un énorme succès. Il ne faut pas non plus être triomphaliste. Hein. C'est un travail de fou, entre guillemets, parce que c'est un événement qui ne s'arrête jamais. Petit profit L'an dernier, on a fait 4 millions de chiffre d'affaires. Et Pour le bazar dans les 6 ou 7 villes. Dans les 5 villes de France. D'accord. Et on a sorti un résultat qui est négatif. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément investi. On a payé. Ça y est, vous voulez qu'on vous plaint maintenant ? Pas du tout, non. On a investi. On équilibre, je dirais. Mais on a acheté de l'informatique. C'est-à-dire maintenant, derrière les œuvres, il y aura des codes-barres. Ça va tout simplifier la gestion pour la personne, la jeune fille qui tient l'exposition. Et on a créé le mobilier Bazar Europe, qui est un nouveau mobilier, qui est encore plus ergonomique que celui que nous avons en France. Ça veut dire qu'en France, dans un an, il y aura un nouveau mobilier. Ça veut dire que c'est vraiment un truc qui se crée, quoi. C'est assez comment dirais-je, exaltant. D'accord, eh bien, l'exaltation, on peut la trouver encore. Place Bellecour, Flammarion, 27 février, c'est le dernier jour où on pourra acheter ces tableaux. On précise, on l'a vu sur les images de Pascal Savet tournées tout à l'heure, que pour une œuvre achetée, il n'y a pas le cadre. Non, mais le cadre, les gens peuvent le... On propose un service d'encadrement, hein, c'est-à-dire vous pouvez acheter une œuvre et on vous donne un choix sur plusieurs baguettes. D'accord. Et puis vous dites voilà, je veux ça et ça, et 3 jours après, vous avez l'œuvre encadrée. Mais ce sont des œuvres, effectivement, sous cellophane, comme des bananes ou de la viande.